Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour la découverte d'un nouveau jeu, un jeu en Early Access, un jeu de Supergiant Games qui ont fait des jeux que j'adore, qui ont fait Bastion, pour ceux qui ne connaissent pas, tester, c'est magique. Et donc Hades, c'est un roguelike, il est en Early Access, il y a eu une grosse mise à jour, et j'attendais un petit peu pour le tester parce que justement il n'y avait pas assez de contenu. Là, avec une zone supplémentaire, un nouveau boss, je pense que c'est le bon moment pour se lancer dans l'aventure. Donc ça va être de la découverte totale, je vous préviens. J'en ai un petit peu vu en live, j'avais vu Exerve en faire, j'avais vu d'autres personnes aussi. Mais par contre, je ne l'avais jamais testé. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence. Mais j'ai pas mis en français, pourquoi c'est en anglais les sous-titres ? Reminding us of the inevitable fate which we all share. Qu'est-ce qui se passe ? I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. J'écoute. Déjà, c'est très très beau. Goodbye, father. Ah non, il y a le chrono. Ah non, mais c'est pas bien le chrono. C'est le chrono complet de la run. Moi, j'ai pas envie de voir. Oh, c'est vraiment très joli. Hein. Traduis-nous, Crane. Alors, attendez. Est-ce que j'ai changé sans faire exprès? Mais non, c'est bien en français. Bon, bah, c'est peut-être parce que, vu que c'est l'Early Access, il n'y a pas encore toutes les langues disponibles dans le jeu. Donc, on a un dash. Alors là, je balance un truc. Et je peux le récupérer. Oh, c'est rigolo. Ok, donc en bas, j'ai 50 sur 50, c'est mes points de vie. 1 sur 1, c'est la sorte de cristal que je peux balancer et que je peux récupérer. Ok. Et spécial, qu'est-ce que c'est? Une sorte d'AE. Alors, est-ce qu'il y a un cooldown ou quelque chose? Est-ce que ça consomme une ressource? J'ai pas l'impression, donc je pense que ça va être important. Les dashs. Est-ce qu'il y a une immunité pendant les dashs? Je ne sais pas. C'est vrai que le perso ressemble un petit peu à un chevalier du Zodiac. Donc je peux détruire l'environnement, ce qui fait de moi une horrible personne. Je peux pas frapper là-dessus. Hein. Ok, alors, les autres boutons, ceux-là, ils font rien. Ok, donc il y a de la destruction. Est-ce qu'il peut y avoir des cadeaux là-dedans? J'en sais rien. Il y a des gens qui ont construit ça et qui ont mis tout leur cœur à l'intérieur. Ok. Proceed. On y va. On a une magnifique épée. J'aurais été tout cassé. Qu'est-ce que je peux en faire de... Pourquoi il y a... Ah, c'est moi en frappant qui ai fait tomber un rocher. Ok, il a l'air énervé. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je me suis déjà planté de boutons, c'était bien. Ah, attends. Du coup, je peux te tirer dessus. Voilà. Et donc, il a... Oh, je crois avoir compris. Quand j'ai tiré le projectile... Ça l'a mis au-dessus de sa tête. Et du coup, pour le récupérer, faut que je le tue. Ah, attends. Il y a ça. Ok, là, je l'ai récupéré. On va lui tirer dessus. On le récupère. Nouveau truc qui pop. Bon, j'ai pas pris de dégâts pour le moment. Ça se passe plutôt bien. Ah, il me tire dessus. Ce qui est extrêmement pas gentil de leur part. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça s'arrête jamais. On va se débarrasser des distances. Ok. Pour l'instant, ça va. On n'a pas pris de dégâts. On va continuer de lui tirer dessus. Il fait son attaque. Et on a gagné quelque chose. Accepté. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer, pour ceux qui connaissent, qu'il n'y a pas de version française des textes? Au nom d'Hadès, Olympus, j'accepte ce message. Pas traduit a priori, ok. Bon, je pense qu'il sera à sa sortie. Hein. Athéna. Sympa. Et donc je vais pouvoir, tiens on en parlait par rapport à Transformice, c'est un peu le même système, mais je vais pouvoir améliorer mes skills. Et donc ça je crois que ça va rester par contre, ou c'est par run? Non ça doit être par run j'imagine. Alors, your attack is stronger and can deflect. Donc deflect, qu'est-ce qu'il entend par deflect? Cosmos, attack to damage them. D'accord, mais est-ce que c'est avec... Les attaques corps à corps ou les attaques distance? Est-ce que ça renvoie les attaques distance par exemple? Ou sur un bon timing, en fait, même une attaque corps à corps, ça le retourne contre... Je ne sais pas, on verra.
Merci Euda Kourgan pour les 22 mois Semper Fidelis. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Merci, merci. Crane, tu pourrais te décaler un peu à droite, on voit pas tout le texte. Ouais, mais si je me décale à droite, vous verrez pas certains autres trucs. Donc malheureusement, il manque quasiment pas grand-chose du texte. Hein. Je peux me rétrécir. Je vais me rétrécir. Hop. Attendez. Tac. On va se rétrécir un peu. Et on va se mettre comme ça. Voilà. C'est peut-être bien comme ça. On va tester. On va tester. Et puis, jamais à droite. C'est vrai. On va tester, on va tester. On verra. Vous me direz si c'est bien. Je suis tout petit. Voilà. Ce qui est petit et mignon. Alors, your cast damage falls in a small area and can deflect. Donc, phalanx shot. Press B for a powerful range attack. Donc, ça, c'est l'attaque distance. Ok. Donc, damage plus 50-84. Pour l'instant, j'ai l'impression que le Divine Strike est vraiment très très bien. Your dash deals damage and can deflect. Oh, ça aussi, c'est intéressant. Mais je vous propose d'y aller basique et de prendre un plus 40% dégâts sur mon attaque de base. Ça me paraît assez fort. Fallait pas manger le champi d'Alice, c'est ça. Ok. Donc maintenant je peux déflect et je fais plus 40% dégâts. Alors, RB proceed. Ok. Look who. Ok. Donc pour l'instant, les contrôles sont vraiment agréables. Donc j'ai déflect un truc. Je pense que le petit up DPS n'a pas fait de mal. Alors ça me fait un peu peur avec le... A mon avis c'est des pièges hein, le truc où il y allait. Hein. Hop. Ok. C'est le GG. Alors j'ai gagné 10 cristaux violets, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc pour augmenter mes capacités. Et donc là j'ai le choix entre deux chemins. Alors j'ai un cœur... Où j'ai un truc. Est-ce que j'ai un moyen de savoir ce que c'est? Un cœur chelou. Est-ce que ça augmenterait pas ma vie? Peut-être, ma vie max. Et ça, c'est peut-être associé à un dieu. Le déflect est simple, Crane. Souviens-toi de ton duel contre Ganon dans Ocarina du temps. Mais je ne l'ai pas fait Ocarina. On va pas te spoil non plus. Bon, allez, on va... Oh, j'hésite. Hein. Ça, je suis quasiment sûr que c'est de la vie. Mais ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah, en 22, il y a des pièces en bas. En bas à droite, il y a des pièces. Je vais plutôt prendre la vie. Non, ça l'aide d'être le format des pièces qu'on voit en bas à droite, 22, là. Ok, alors j'ai pris ça. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'ai toujours 50 HP? J'ai toujours 50 HP. Ah, mais c'est peut-être la récompense en terminant la salle. Okay, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ok. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Come, Regis. Pour l'instant, ça va. Ça se passe vraiment bien. Déjà ? Alors, qu'est-ce que ça fait ? Plus 25 HP. Alors, est-ce que c'est un heal de 25 ou ça augmente mon 25 maximum ? Ça augmente mon maximum de 25. C'est pas rien. Alors, on a deux chemins. Donc, soit... Les cristaux qu'on voit en bas à droite qui vont être une monnaie pour quelque chose, mais alors quoi? Est-ce qu'il peut y avoir des trucs là-dedans? Apparemment non. La prise en main est vraiment très agréable pour le moment. Il y a une clé. J'imagine que les clés, ça sert à ouvrir des trucs et que ça sert à ouvrir des trucs cool. Donc on va essayer. C'était pas de régène de la vie ou de l'or. Bah, là, apparemment, c'était soit de l'or, en tout cas la monnaie qui est en bas à droite, soit plus 25 HP max. Donc plus 25 HP max, c'était oui. Allez, on va prendre la clé. On va voir où ça nous mène. They absorbed my blow. Ah, d'accord, en fait sa barre jaune. What now? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que je l'ai fait tomber dans le trou? Ah non, Wall Slam, ok. Déflect. Ok, donc là on va faire gaffe. Ils vont. Oula, j'ai pas pris de dégâts. Non, c'est bon. Oh, mes premiers dégâts! Ah, ça y est, je me suis fait toucher. Non, bouge, bouge! Non, c'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce qui me permet de régénérer des HP après? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y aura un moyen de peut-être gagner des HP en tuant des Billy, peut-être. Je sais pas si c'est un intérêt que je casse tout ça. Je suis toujours pas allé sur une de ces dalles.
Bon, celle-là, rien fait, mais il n'y a pas de trou comme les autres. Fais voir. Ah, il n'y a rien. On verra. Alors, j'ai le choix entre un trident et un sac. Alors ça, je verrais bien un marchand et ça, un truc Poséidon. Hein, comme je vous dis, j'en ai déjà vu un peu en live, donc je me souviens qu'il y a des divinités. Donc à mon avis, ça doit être genre Poséidon et... Trident, Poséidon, je pense. Et ça, un marchand, un sac. On va essayer Poséidon, on va voir ce que c'est. Let's go. Wretches. They're armored. Oh non! Je remarque que les erreurs, c'est quand tu veux aller trop vite. Et les ennemis sont pas dangereux. Mais quand tu veux les tuer plus rapidement, c'est là que tu prends des risques. 57 sur 75. Là, on a encore un autre délit. Donc les wall slams, c'est assez intéressant. Hein. Tu les projettes contre... Non, de l'autre côté. Alors, je ne sais pas pourquoi tu nous as fait une Star Wars The Force Unleashed, là. Ça va être mon jeu de référence. Come die again. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va s'occuper du distance. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais non! Je voulais pas aller là-dessus! Non, non, je fais n'importe quoi! Ok. C'est le GG, 42 sur 75. Ah là là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est oncle numéro 2. Olympus, I accept this message. C'est bien posé, donc. You recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Bon, il a l'air cool, tonton Poséidon. Et du coup, on va gagner des pouvoirs de Poséidon, c'est ça? Alors, il y a différentes couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça file de la vie, de la thune. Ah bah tiens, ça me permet de savoir ce que c'est. Darkness. Use to permanently improve attributes earned as you... D'accord. Apparemment, c'est une monnaie qui me permettra d'augmenter des trucs de façon définitive. Charbon's Opal. The currency of the dead. Charbon, non. Charon, c'est Charon, rien à voir. Maybe willing to part with valuable... Donc ça, c'est pour le marchand. Et life. Lose it all for an express... Donc ça, c'est pour regagner de la vie. Ok, ça permettrait de me healer. Ça, c'est sûr... Ouais, ça c'est sur mon truc distance. Il faudrait que j'apprenne un peu plus à utiliser mon AE en Y. On va essayer de prendre ça, Tempeste Flourish, en espérant que je repère pas trop de... Voilà, donc ça, normalement il est amélioré maintenant. Et de nouveau une clé, est-ce que j'ai un autre choix? Ah, à la fin du combat, les pièges se referment en fait. C'est plus des pièges. Alors, je regarde s'il y a un moyen de voir si des urnes contiennent de la thune ou pas. Bon, j'ai tout détruit. Ok, on va continuer. T'aurais pris le 1 aussi? Oui, ça me paraissait bien. Maintenant, il faudrait que je le teste, quoi. Ah oui, non, ça fait mal, en fait. Allez. Toc, toc, toc. On est bien. Ah oui, non, mais c'est méga fort. Bon, là, on fait gaffe parce qu'il y a un piège. C'est super fort. C'est super fort. Et donc, j'ai gagné une clé. Ça me fait deux clés. C'est cool. Alors, là, les coffres ont l'air normaux. Il n'y a rien. Et merci beaucoup à les Routanes qui offrent un sub à Fanta Bob Show. Mais t'es là, Bob, j'avais pas vu. Mince. Coucou, Bob. Où est-il? Je sais pas s'il a parlé, du coup. Comment tu lui as offert un sub? Comment tu as fait ça? Merci beaucoup, les Routanes. C'est très gentil. La OE détruit les projectiles aussi, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air bien. En tout cas, c'est très, très validé pour le moment. Hein.
le jeu est très très agréable de prise en main. Parce que c'est pas forcément mon style de jeu non plus, à part Isaac. Mais là, je valide complètement pour le moment. Et maintenant... Ah oui, non, ça par contre... T'es pas obligé, mais merci. Hup. Hup, hup, hup. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, je suis pas prêt! C'est quoi? C'est les mini-boss, ça, non? On va y aller doucement, mais là, je suis mort. Oula, 7 points de vie. Ça sent le décès. Ça sent le décès. On va essayer d'y aller doucement. Oh non! Ils ont fait deux fois de suite! Oh là là. Une première mort. Qu'est-ce que ça fait? J'étais pas préparé. J'étais pas préparé. En tout cas, merci beaucoup pour les subs offerts. Le Rutan. Oula! Il y a des gens à qui parler. Salut, t'es qui? Hypnos. Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Ça fait vachement penser à Transistor, ce jeu. C'est la même boîte. Oui, c'est ça. C'est la même boîte qui ont fait... donc, Transistor, qui ont fait Bastion et qui ont fait Pyre, Pyre. Je sais pas comment ça se prononce. P-Y-R-E. Mais c'est très joli, hein. C'est vraiment très, très joli. Donc, j'imagine que ça signifie que vous êtes mort, hein. Ne soyez pas triste. Tout le monde meurt à un moment. Some of us more than others. Certains plus que d'autres. Ok, on peut lui reparler ou pas? Non, on peut pas lui reparler. Back already. Ah. Où c'est Cerber? Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. Bon, il est à la fois triste et content de nous voir. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Apparemment, il s'aime bien avec Cerber. Ok. Je peux te parler à toi? Non. You have come parler home. À toi, je vais parler à Hades après, mais... Do not despair and hold to your resolve, Nyx. Child. Tell me something. Has the goddess Athena thus been true to her word and her willingness to lend you her support? Est-ce qu'elle a été en accord avec ses paroles et sa volonté de vous aider, de vous prêter main forte? She has, Nyx. I'm grateful that you put us into contact. Parlant d'Athéna. And explain to her the situation that I'm in. D'accord, apparemment c'est Nyx qui a mis en contact Athéna avec Esagrius. It gladdens me to hear it. Seldom do Olympians consort with those born of the underworld. Yet your circumstances seem to do cause for an exception. She shall make a powerful ally. D'accord, donc je sais pas quelle est l'histoire de fond. Mais apparemment les Olympiens sont pas forcément amis avec des gens de l'underworld. Mais on aurait un allié puissant avec Athéna. Stupid boy. Ça commence bien. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how is your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Ah, ils ont l'air de bien s'entendre, le père et le fils, là, ça a l'air bien. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. D'accord, donc nous on essaye de s'échapper, mais et du coup à chaque fois on est ramené ici. Donc le but ça va être de s'échapper du royaume d'Hadès, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Examine. The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him, but to his willful progeny. Ok. You know I can hear you, old man. Ah mais il vient de parler à la à relax. Ça fait quoi? If I sit down, I won't want to get back up. Ah, il veut pas. Il me dit si jamais je m'assois, j'aurais plus le courage de me lever. C'est normal que tu aies le chiot de Cerbère en guise d'épaule. C'est du faux. Tu arrêtes tout de suite, c'est du faux. Good to see you, lad. Ah. Despite the circumstances. Achille. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. N'oubliez pas.
La douleur de la mort n'est qu'un obstacle de plus. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Et la peur est pour les faibles. Oh là là, ce masque quoi. Prends soin de toi, Achille. Ok, donc ça c'est fermé. Potentiellement, on pourra l'ouvrir après. Ça c'est fermé aussi. Je peux faire des petites roulades. D'accord. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est rigolo. Je peux lui reparler encore? Ah, je peux reparler à Cerber. How you holding up, boy? Eating well lately? All three mouths full and happy? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively, one after the next, as if to reassure the ever-doubting prince. Bah, les clés ont pas l'air d'être pour ça, vu qu'il m'a pas. Après, j'ai peut-être perdu les clés. Non, j'ai toujours deux clés. Ouais, je sais pas pourquoi ça. What is it now? Avant. D'accord, ça c'est bien. Donc là, on peut rien faire. Listen. Ah. Moaning and groaning. Je t'ai dit que j'aurais dû aller voir un médecin. Cause de la mort, une infection. Mais du coup, je peux écouter chaque... Non. Je pense qu'il y en a d'autres. Non. Il y a rien qui brille sur lequel je peux cliquer, là. Je peux pas redescendre là-dedans. Toi, je peux pas te reparler. Est-ce que je peux encore lui parler? Non, ça y est, là, c'est fini. Je peux encore lui parler. On dégage de ma vue, il nous dit... Ok, donc là, il n'y a rien. Là, je peux pas le reparler. Donc, il veut toujours pas se relax. Ok, je pense que j'ai tout fait, là. On va pouvoir passer à la suite. Ouais, le jeu est ultra stylé. Hein. Il est ultra stylé. Là, il n'y a rien. Et ben, on va aller là. Ah, apparemment, c'est notre chambre. Use the mirror to grow stronger. Et ben, très bien. Devenons plus forts. Alors, il y a les clés. Ah, les clés vont servir à débloquer des nouvelles compétences passives, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Shadow Presence. Chaque rang vous donne plus 10 dommages quand vous frappez... 10% dégâts quand vous frappez une cible par l'arrière. C'est plutôt fort. Ça permet de restaurer un point de vie quand on entre dans une chambre. C'est pas mal, ça. Bon, je pense qu'on va quand même prendre Shadow... Ah, quoique un moyen de se heal, c'est pas dégueu. Même si c'est léger. Non, 10% de dégâts par l'arrière, ça a l'air fort. Puis je crois... Non, il s'en fout ce que je prends, en fait. Voilà, donc là, on est devenu plus fort. Et ça, ça a l'air d'être du bonus qui reste. Donc ça donne plus un cristal là, qui permet d'être lancé. C'est pas mal. Each one's less to chain... Ah, on peut faire deux dashs d'affilée. Enfin, plus deux dashs d'affilée, ok. Plus 10% X attaque et Y spécial dommage to foes with... D'accord, ok. Restore 20% de vie une fois quand... Ah, ça permet, quand on est sur le point de mourir, de nous rendre 20% HP une fois. Donc ça donne 10 de thunes à chaque fois qu'on commence un nouveau run. Ah, parce que la thune disparaît. La thune, c'est juste pour le run. Donc finalement, de ne pas avoir été voir le marchand, c'était probablement une erreur. Chaque rang rajoute plus 5 à votre total de life. Bon, ça, c'est pété. C'est bien. Ça permet de commencer avec plus que 50 points de vie. 25% damage contre les ennemis affectés par deux malédictions de statut. Mmh. Je sais pas ce que c'est encore, les malédictions. Plus 1% chance for a boon to have rare effect. Donc ça doit être les améliorations qu'on chope qui peuvent être rares. Plus 1% greater chance for a boon to have epic effect. Bon, bah il y a rare et epic. Attends, le dernier. Chaque rang donne une chance d'altérer de façon aléatoire la récompense de la prochaine pièce. Mais du coup, c'est toi qui décides ou non si tu veux l'atterrir ? Non, je sais pas. Bon, en tout cas, ça a l'air intéressant tout ça à monter. Ça doit prendre un certain temps, j'imagine. Ok, donc maintenant on sait un peu à quoi tout sert. Et ça, c'est pas mal. Hop, hop, on va examiner ça. Donc, c'est bien ma chambre. Despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Range ta chambre. Oh, come on, it's not that bad, is it? Non, c'est plutôt pas mal rangé en vrai. Hein. Bon, il y a un petit peu de bordel sur les coffres, tout ça, mais
Mais j'ai fait bien pire que sa chambre. Hein. J'ai fait bien, bien pire que sa chambre. Hein. Je sais pas vous, mais ça va. Hein. Alors, on peut rien faire avec le lit, non? Ah, reste. Ça fait quoi, reste? Not as comfy as it looks. Non, il va pas envie, il est pas fatigué. Ok, et eh ben let's go. Ok. Ok. Ah! Oh! Open up. J'ai utilisé une clé. Coronacht, the heart seeker. Let's deal some deaths. Over here. I can escape through that pink window there. Donc soit. Release X while flashing to power shot. C'est quoi flashing? C'est ça? Non, ça doit pas être ça. Ah mais non, c'est que je me plante de boutons surtout. Alors ça a l'air à la fois sympa, à la fois relou. On va lui parler. Scully. But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. D'accord, il veut que je le frappe. I don't remember. Il aime ça dans la vie. Payroll, mate. Who's your supervisor? Hop. Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. If you insist. Okay, il y a peut-être un truc sur le cul, je sais pas. Alors Stavel est quand même assez chouette. Oups. Donc là, il a disparu. Bon, il a juste disparu en fait. Donc soit je maintiens. Ok. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. First get past the wretched shades of Tartarus. Ah, ça représente tous les trucs que je dois traverser. Doubtless I'll be running into Meg. The river of flame ought to be just beyond. Find a way to release him from there. And after that. All right, let's give it another shot. Ok. On va essayer avec l'arc, hein. Je suis moins convaincu, mais ça demande d'être essayé. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre. Hein. Attends, si ça c'est quoi ça? Inspect. Empty for now. Alors, give someone un truc que je sais pas ce que c'est, to earn the keepsake. Donc il va falloir faire filer des trucs à quelqu'un pour pouvoir débloquer des trucs ici. Allez. Escape. Donc est-ce que là on commence un nouveau run? Ouais, on arrive au même endroit que la dernière fois. Et on commence avec... C'est quoi, c'est Zeus? En tout cas, c'est un éclair. Alors, il accepte le message. C'est bien ça. Look, your father's always been rather difficult. And he is not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong. Elle s'appelle pas assez Zeus, il le prend mal. Have my blessing. Ok, un autre allié. Alors qu'est-ce qu'on a? Votre attaque emits chain lightning, donc fera de l'électricité quand on fait du dégât sur une cible. Ok, pourquoi pas. Votre spécial fait qu'il y a une lightning bolt sur les ennemis proches. Alors c'est quoi your wrath? Wrath. Press RT to unleash the fury of Olympus once your wrath gauche is sufficiently filled. Qu'est-ce qu'on prend? Lightning strike ou thunder flourish? La spéciale est pas mal. Et le bolt damage est plus gros que l'attaque de base. Ah, je vais prendre ça. Lord, Uncle je sens que je vais spammer ça, moi. Never thought I'd see the day. Or night. Whenever. Ouais, je suis pas convaincu. Ah, c'était calculé. Ouais, je suis pas convaincu par l'arc encore. Hein. Là, il y a un truc. Là. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers. The underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Très bien, ça a l'air bien. Ok. Ça a l'air de manquer de patates par rapport à l'épée. Hein. Numbskulls. Oh, oh, ceci dit, ça c'est. Just getting warmed up. Mais non, de l'autre côté.
C'était pas mal ça. Oh non. Ok, on est à 39. On a gagné 10 machins comme ça qui nous servira à acheter des upgrades. Donc de la vie en plus, j'ai envie de vous dire un grand oui. Ça m'a l'air très très bien. Bon, c'est très sympa. Déjà, ça fait un gameplay différent. Ok. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça leur fait un petit KB. Donc finalement, selon le mob, eh ben, tu le tiens bien à distance. Là, je crains pas grand-chose, en fait. Pour le moment, hein, parce que ça doit être des mobs de base. La portée est cool. Le gameplay est différent, c'est intéressant. Let's deal some death. Oh non. Par contre, t'es moins mobile. Hein. Non. De l'autre côté. C'est... Ah non, c'est... T'es vraiment beaucoup plus bloqué, je pense que c'est... Ce sera pour plus tard. L'arc... à maîtriser plus tard. Heureusement, j'ai repris de la vie, donc ça, c'est cool. Je pourrais avoir une clé, je pourrais avoir d'autres... Qu'est-ce que je veux ? J'aimerais bien débloquer d'autres armes. Mais ça me permet d'acheter des bonus. On va prendre des clés pour débloquer les armes. Alors, c'est quand je clignote, c'est là qu'il faut que je relâche, c'est ça, pour avoir du bonus damage en plus. Ouais, c'est ça. Ok. On va déjà me débarrasser de tous les petits crânes. Voilà. Ok, donc ça c'était bien. Ok, nickel, une clé. This can unlock something back home. Ah tiens, ça je sais pas ce que c'est. De la bouffe. Est-ce qu'on a un autre choix? Bah tiens, on va découvrir un nouveau truc. Pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit dans les vases. Faudrait que j'arrive à trouver un vase qui drop quelque chose, que je vois s'il a une gueule différente ou pas. Hop. Give it up. Oh non, ça l'a pas one shot, la tristesse. Ok. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Ça, c'est assez cool, je peux renvoyer ces projectiles. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Power up. The power of the gods. New special cause light. Ah, ça permet d'augmenter un bonus que j'avais déjà. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, le problème, c'est mes HP, quoi. Non. Et le spécial va commencer à faire pas mal de dégâts. En tout cas, je vois pas de vase qui a l'air vraiment différent. Allez, on va par là. What now? Oh, je me plante de boutons. Je sais, je veux dash avec le mauvais bouton, quoi. Ça sent le décès. Hein. Alors qu'il suffit d'être patient, quoi. Je peux faire ça à l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Locked. Faut juste que je sois patient. Et j'utilise plus le dash pour me déplacer. Encore?
Bon, après, ça va, si je le gère... Non, 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 là, 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 là. Oh. Je veux le faire se retourner et j'appuie trop vite. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, bouge. Oh là là. Oh non, ça l'a pas arrêté. Non. Trop statique sur l'arc. Il y a trop de moments où t'es en charge, où t'es en animation. Pas une bonne arme pour commencer, je pense. Il y en a très peu des vases à thunes. D'accord, d'accord. Bon, on a deux clés, on a 10 à dépenser. C'est pas... Voilà, là, il me dit la prochaine fois, ceux qui t'ont tué, essaye de les tuer avant qu'ils te tuent, ça pourrait être cool. Right. Ah oui, bien sûr. Et on peut parler au toutou. Take it easy, boy. I'll probably be back here in no time. The watchdog Cerberus merely sulks upon his several... Ok, on peut pas lui reparler. I see you've decided to come home. Changed your mind yet? Or looking for more pain and suffering? Non, il faut aussi nous. More pain and suffering for sure. After all, you taught me to appreciate the finer things. Ah, c'est quand la barre de vie est jaune, oh, ça le... je peux pas les arrêter. D'accord, ok, faut que ce soit rouge. You keep telling yourself that, boy. But mark you my words, sooner or later, this life that you have chosen for yourself shall teach you I was right. Good talk. Okay. Good talk. Je regarde s'il y a des nouveaux trucs, hein, j'ai pas l'impression. Achille a disparu. Tout ça, j'imagine que c'est toujours fermé, il faudra faire quelque chose de spécial. Tac, on peut pas reparler, on peut pas reparler. Là, on peut parler à Nyx. Darkness guide you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. C'est gentil. I won't forget you, Nyx, I swear it. T'oublierai pas, Nyx, ça c'est quoi ça? What once was a small lounging area within the House of Hades now is sealed off in utter shambles since the multi-headed Cerberus tore the space apart, mourning the missing prince. Cerberus destroyed the lounge again. Débloqué par la suite. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs, trucs qui brillent ou je sais pas quoi? Non. On va pouvoir s'acheter un autre bonus. Bon, tiens, on va prendre un petit heal, voilà. Hop. Même s'il faudrait peut-être économiser. Hein. On a que deux clés, malheureusement, je vais pas pouvoir prendre une nouvelle arme. On va reprendre l'épée. Alors, il me parle. Hey, pal, watch where you throw those bloodstone things of yours. You drop them, you go pick them up, you understand? But if somebody gives you grief, you got my permission to chuck one right in his eye. I'll just aim generally for the midsection, since the eyes are a lot harder to hit in my experience. Ok. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Bah, on va juste prendre l'épée. Et on va y retourner. Je pense que c'est ça, il faut farmer. Jusqu'à temps qu'on vienne assez fort pour avancer loin, ou qu'on connaisse suffisamment le jeu pour bien connaître les patterns. Donc pareil, j'imagine qu'on va avoir un nouveau dieu. Un marteau, ça peut être quoi? C'est rien, ça peut être qui? Phaistos? Non, je sais pas. Time to mix up my style. Ah non, c'est rien. Non, ça n'a rien à voir. Daedalus Hammer. Alors, on peut à quoi? Votre attaque est remplacée avec des coups rapides qui infligent 15 dégâts. Votre spécial est très rapide et peut être utilisé plusieurs fois. Oh, ça a l'air pété. Pendant 2 secondes après votre spécial, vos attaques font dégâts critiques. Oh, j'hésite entre Fury Blade et Instant Nova. Là, ça a l'air bien, Instant Nova. Hein. Vous voulez quoi? Fury Blade ou Instant Nova? Fury Blade. Après, c'est vrai que EP, l'attaque de base, c'est quand même intéressant. Mais là, la Nova très, très rapide qui pouvait être utilisée plein de fois, moi j'ai bien envie. Oh, allez, on va tester ça. A blade fit for a god. Ouais. Hein. J'avais pas vu qu'il était pas mort. Ouais, ça a l'air assez pété. Hein. Ça a l'air assez pété. Donc rien que le fait de recommander, ça te file 10 de bonus, donc quoi qu'il arrive.
Ah, j'étais bloqué à cause de la table, là. Non, c'est, ouais, ça a l'air bien. Donc déjà, on chope un petit bis, ça c'est cool. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de spécial. Donc là, on n'a pas le choix, on a un nouveau truc, c'est un cœur. Alors, est-ce que c'est un heal, un truc? Est-ce que c'est Aphrodite? Est-ce que... Je sais pas. On va voir. Brimstones. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, il faut pas aller dans les lasers. Ok. Ok, un coup à prendre. Ah, c'est très sympa. It must be a mess. Let's see here. Alors. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. J'accepte le message en PCV. Why, hello, hello there. Et c'est bien Aphrodite. I have to say you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you. Elle a décidé de m'aider pour le moment parce que ça m'intéresse. Alors, ce que tu me proposes. Alors. Oh, je pense qu'on va spécialiser sur la spéciale. Alors, Wick, c'est une curse et ça fait que les ennemis font moins de dégâts. Et là, ma spéciale fait plus de dégâts et inflige la weakness, donc la faiblesse. Oh, mais je vais continuer sur la spéciale, hein, ça a l'air bien. Interested? Ok. And the power to break hearts? Sure, I don't see why not. On va continuer sur les clés, ça va nous permettre d'avoir... Je peux même éteindre les bougies? Ah non, j'ai cru. Ah oui, si, je peux éteindre les bougies, c'est pas fabuleux. Mais elle se réallume. Ok, bon, on va continuer les clés. Pour l'instant, on a perdu 4 points de vie. On va se spécialiser sur la spéciale, c'est ça. Witches. Moi, j'ai fait d'énormes dégâts, là. J'ai fait un 130, j'ai fait un crit. Next. Gaffe de pas aller dans les pièges. Ça s'est très très bien passé. On a notre clé. Alors, ça c'est pour augmenter un truc que j'ai déjà. Et ça c'est pour avoir un nouveau pouvoir. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore avoir un autre pouvoir sur la spéciale? Mais j'ai l'impression qu'il me propose toujours attaque de base spéciale et... Est-ce qu'on augmente l'augmentation de dégâts de la spéciale? Ou est-ce qu'on va chercher un pouvoir de Zeus? J'aimerais bien augmenter ce qu'on a déjà. C'est un de chaque, il me semble, ouais. Tu penses que ça remplace si je prends un nouveau pouvoir spécial? Ah, peut-être, oui, peut-être. Alors, on va aller ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a des bombes. J'ai pas pris de dégâts, là. Des sortes de bombes. Ok, d'accord, faut que j'aille détruire ce truc-là. Ah, déjà ? Ok ! Donc 56% de dégâts au lieu de... Ok. Marchand, j'ai 30, on n'a jamais vu le marchand. Enfin, je pense que c'est marchand. Hein. Donc on va aller voir ce que c'est. Si ça se trouve, c'est pas du tout marchand. Si, c'est ça. Et du coup, alors c'est beaucoup plus cher que ce que je croyais. On va examiner ça. Ok. Alors, Restore 25. Ça, j'ai aucune idée de ce que ça fait, mais ça coûte 150. Et ça, ça nous permet d'avoir... Ah, il y a quelqu'un là, je l'ai pas vu. Why, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and... Hey, what's that? You got some sort of wares for sale? Then I'll just have a look around. Il dit juste qu'il regardera ce qu'il a à vendre. Bon, du coup, vu qu'on perd la thune et que je vais peut-être mourir à la prochaine salle, je vais prendre ça. Hein. Et on peut avoir un nouveau pouvoir d'Aphrodite, alors qu'est-ce que ça va faire? Ah, il y a un vase qui est différent, là. Est-ce que vous croyez? Yes! Le vase a une couleur différente, ça y est. On a vu à quoi ressemblaient les vases en question. Là, il y a des mains de partout. Je peux pas tomber dedans. Hein. Non, il y a des murs invisibles. C'est bon. Bon, la fameuse barque.
toute façon, il veut que notre thune, c'est tout. Et on continue pour du pouvoir d'Aphrodite. Ok. C'est un peu pété là quand même. Oula, oula, qu'est-ce qui se passait? Ah, c'est pas ça que je voulais faire, mince. Mais c'est, ça marchait quand même, donc on va pas se prendre. Surprise. Ouais. Ça, je pense que c'était important à tuer rapidement. Ok, c'était en marchant sur la plaque qu'il a... Regardez, il y a un autre vase doré en bas. On va détruire le vase, prendre la thune et on va vite aller s'occuper des crânes. Mince. Ok, c'est pas grave, on n'a pas pris grand-chose. Nouveau pouvoir d'Aphrodite. Y'a pas un passage à gauche? Mince, j'ai loupé quelque chose. Alors, your weak effect also make foes more susceptible to damage. Alors, ça, c'est sur le cast à distance que j'aime pas trop. Alors, et ça... Oh! Ça fait un moins 15% dégâts reçus de base. J'ai 15% de réduction de dégâts reçus. Et ça augmente les dégâts que je fais à mes cibles. Ah! 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 Les deux sont bien. Hein. Les dégâts. Attaque ou défense, choix cornélien. Ouais, je pense que tuer plus vite, c'est bien. Hein. Je pense que tuer plus vite, c'est bien. Allez, on va faire ça. Alors ça, c'est pour avoir boon info. Ça fait quoi? D'accord, tu peux voir tes boons. Alors là, on a un truc qu'on connaît pas. Ah non, attends, c'était pas les mini-boss ou je sais pas quoi, ça? Est-ce que j'ai autre chose? Non, il n'y a rien d'autre, j'ai pas le choix. Hein. Peut-être maintenant qu'on meurt. Non, c'est quoi, ça? Ready, lads. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouf. Je les vois pas, c'est dangereux quand je les vois pas. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Oh non! Yes! Yes! 25 points de vie, il faudrait des HP à un moment s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Acceptons. Athéna. Something transpired between the two of them. Perhaps you know better than I. Ok, donc il y a un problème entre Hades et Zeus, on ne sait pas ce que c'est. Oh! Épique, épique, rare. Alors, on a quoi? Ça, c'est le cast. Damage falls in small area and can deflect. Ok, le dash qui deal du damage et qui peut deflect. Ça, c'est pas mal. Your wrath, le truc que j'ai jamais utilisé qu'un jour il faudra que j'utilise. Makes you impervious, invulnerable to damage et deflect all attack. C'est pas mal aussi. Je serai assez titan topler. Le dash qui fait du damage et qui me permet de deflect. Ça fait un gros up de dégâts quand même. Hein. Mais j'en caste qu'un et... C'est vrai que 5 secondes de vulnérabilité, c'est fort, mais je l'utilise jamais, donc il faudrait que j'arrive à l'utiliser. Puis ceux-là, ils sont épiques, et lui, il est rare. Moi, je veux un épique, moi. Non, moi, le dash, ça m'a l'air bien. Allez, vas-y. Athena's power. Oh, regardez. Classe. Alors, j'ai le choix entre une clé et... Ah, il est différent, non? Attendez. Est-ce qu'il y a toujours eu une petite tête de mort à côté des trucs qu'on a vus? Parce que du coup, ça me... Ça, je suis curieux. Après, j'ai besoin de clés. Mais là, du coup, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un boss ou... c'est un qui brille. Hein. Il est pas pareil. Hein. On va essayer. On va essayer. Bon, tant pis, j'ai plus besoin de la clé, là, mais autant découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Witches. Mince. Où est-ce que j'ai pris? Oh, good. Ok,
Ok, on fait attention au piège. Alors on peut pas tomber dans le trou, ce qui est plutôt une bonne chose. Oh non, j'ai pris du dégât là. Yes. Et ça m'enfile 20, ce qui est pas mal du tout. Et du coup, et là, on a la fameuse chose qu'on connaît pas. J'ai 3 points de vie. C'est embêtant. Il est possible que je décède à la prochaine salle. Par contre, j'ai pas eu de bol, j'ai jamais eu une seule augmentation de vie. Ce qui malheureusement va nous écourter notre run. Mais au moins, j'ai réussi ça. C'est déjà bien. Et donc, petit crâne égale salle difficile. Ouais, on va retenir ça. Et donc ça, on connaît pas encore. Mais c'était le truc pour débloquer... Faut s'occuper de lui, là. Oh, le GG à 3 points de vie, bim! Bim! Allez. C'est vrai que ça fait très Isaac, hein. Ça fait très Isaac, ce qui est très agréable. Allez, file-moi un truc qui file des points de vie. Non, ça file de la thune. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Un shop. Oh, 13 points de vie. Un truc à 500. Une décoration. Aphrodite Wall Scroll. Ok, c'est peut-être du endgame ou quand t'as plus rien à acheter, allez, 13 points de vie. Why not? Je pourrais même acheter ça, mais bon, on sait jamais ce qu'il y a derrière. Bon, déjà, j'ai 17 points de vie. Je peux ne pas mourir tout de suite. Il y a rien d'autre, hein, on est d'accord. Hein. Non, il y a rien d'autre. Hein. Oh, pas une seule amélioration de vie, la tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je l'avais pas vu. Oh mince, le piège quoi, que j'avais pas vu. Alors, il faut que je tue l'autre distance. C'était juste, hein. Ok, trap kill. Ouf. On va tuer ça. Ok. Okay. Là, il y a de la thune. Toujours pas de vie, quoi. Toujours pas de vie. On a combien? On a 3 clés. Alors, 3 clés, je peux débloquer une arme. Et l'autre truc, ça me permettait de débloquer... Je vais retenter ça. Ouh là là, on est mal. Et le GG, et bim! Allez, de la vie, s'il te plaît, y a pas de vie! Y a jamais de vie! Je peux pas me healer! Bon, bah, je sais pas ce que c'est, ça, donc on va voir. Coucou, Mehdi, merci pour le host! Ah! Tu es qui? Hey, Princette! Ah, c'est Sisyphe, hein, qui pose sa boule. I was just getting back on my feet. The Fury sisters don't often leave me be. Where'd they go anyway? And what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je sais pas. I'm just out on a little stroll is all. Do me a favor though. You see the Fury sisters? Let them know I was headed down the way I came from, will you? OK, donc ça fait quoi? All right. I hear you loud and clear, your highness. I'll just go about my business now and you take care. D'accord, on se parle, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est?
Your total life is 14,5 of 50. Lose it all for an express trip back to the house of Hades. Ah non, 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 attends. Ça, ça me heal. Et ça, ça me heal. Ça a l'air d'être un heal, hein. Healing. Healing full. Sure thing. Non, 25. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et en plus, j'ai un marchand juste derrière. Et je peux lui donner un gift. On va voir ce que c'est. RT. Hey, sir. Thought that this might ease your burden for a while. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this. Il va peut-être me redonner un bonus comme celui que je viens d'avoir. Ah! Shattered Shackle, new keepsake. Ah, les fameux keepsakes, donc c'est les... J'ai dû débloquer un truc dans le... qu'on avait vu, là. Ok, nickel. Il n'y a plus de vie, bah t'es en enfer. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc il y a un marchand derrière, on a combien? On a 200 de thunes. Logiquement, on peut s'acheter un joli truc. On va voir. Les musiques sont très chouettes. Hein. Alors je peux prendre une upgrade. Et ça c'est quoi? C'est un pouvoir d'Athéna? Du coup, on a vu que le bouclier, c'était Athéna. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Attendez, je vais casser tout ça et je vais regarder ce qu'il y a ici. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus. Promising terrifying dangers far beyond the underworld prince's reckoning. Ok. And I can reckon quite a bit. Ah, je peux lui donner un gift aussi. Bah tiens, vas-y, je te file mon deuxième gift. Charon, you've been such a reassuring sight, I thought I'd offer you a token of my gratitude. Wait, you don't have to give me something in return. It was a gift. Il dit qu'il veut nous donner quelque chose. I don't know what to say, mate. Ok, un new keepsake aussi. Bon, je pense qu'on va rencontrer plein de gens et qu'on devra leur donner les cadeaux. Peu. On est à 211. 211. Donc soit on prend les deux premiers, soit on prend les deux derniers. Ça nous permet d'augmenter encore un de nos skills, ce qui est pas dégueu. Mais ça, je sais pas. Je vais peut-être tester ça. On va tester ça parce que je sais pas trop. On va tester. Donc c'est bien un pouvoir d'Athéna. Et on a le choix entre trois trucs. Ok. Donc je peux réduire de 7% les dégâts reçus, c'est pas mal. Ça, je m'en fous un peu. Mais j'ai pas de Death Defiance. Donc ça me sert à rien, ça, en fait. J'en ai pas de Death Defiance, le fameux truc qui me permet de revenir à 20% HP. Du coup, bah, on va prendre 7% de réduction. Ça t'enfile indirect. Ah! Gain one charge. Ah oui, exact. Vous voulez quoi, Bronskin ou Deathless Stand? Deathless Stand a l'air pas mal. Hein, ouais, je pense qu'on va prendre ça. Strength of the goddess. Ok. Et du coup, on va acheter ça. Et là, maintenant, je vais mourir, c'est ça? Mini-boss ou... Ou non, ça, c'est boss, ça. J'avais vu en live, ça. Ça, c'est décès. Ça, c'est... Megaera. Come on, Meg. Your father sent. Mince, je vous appelais dialogue. Ok. T'as l'air énervé. Alors déjà, j'aimerais savoir ce que tu fais. Je l'ai touché ou pas? You're a waste of time. Ok. Ok, pour l'instant ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas mort, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Pourquoi je vais dessus? Qu'est-ce que je fais? Oula! Non! Bon, ils ont pas le...
Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit un truc chelou. Alors, on est concentré, on veut pas mourir, il y a une... Oh non ! J'avais pas vu le piège. Il commence à y avoir pas mal de mobs distance. Oh, je suis pas bien là. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! C'était quoi ce 13 ? Non ! C'est horrible ça. Non ! Oula ! Oula ! Je l'ai eu. Oh le GG. By my birthright. Oh le GG. First try. Bim. Bim first try. Bim. Et ben voilà. Et j'ai utilisé ou pas mon... Non, je l'ai toujours mon interview ce machin chose là. Oh là là, le first try. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ok, Adidio, je sais pas quoi. Shiny. Ça fait quoi ça ? Restore 20. C'est gentil. Là, je peux acheter des choses. Attends, ça déjà. Ouais, maintenant j'ai débloqué ces deux machins là. Alors, rank 1, Rebel Falling from Damage Pillar Deals. Ouais, donc les trucs qui... Les trucs qui tombent des piliers que je détruis font 200% de dégâts en plus sur les cibles, ça me fait pas rêver. Items from the Well of Charon have duration increased by 2 encounters. C'est pas terrible. Bah, je suis désolé. Tu vas te plaindre, Agent X. Je le first try le truc et tu vas quand même te plaindre sur mon gameplay. Mais vous êtes jamais content. Vous préférez quoi, Bone Hourglass ou Shattered Shackle? Ça, le Well, c'est le truc d'à côté ou pas du tout? Attends, fais voir. On va prendre ça, Bone. Et du coup, c'est ça ou c'est pas ça? Et là, potentiellement, ça dure plus longtemps, c'est ça. Donc, 20% de déplacement plus rapide que d'habitude. Plus 1 Death Defiance. Ah, c'est un peu dommage parce que... Ah, je vais prendre quand même le Kiss of Sticks qui a l'air pas mal. Ça m'en fait 2. Et puis on va prendre ça. Tant pis pour le heal. Oh mince, il y a de la thune là. 10, non, j'aurais pas eu assez. De toute façon, j'aurais pas eu assez. Ok. I'll just go on up. Garde ton argent. Oh, pff. Tu sais, c'est une des premières parties, on découvre. Hein. The Asphodel Meadows. Ok, du coup il y a des ennemis là, comment ça se passe? Là il y a un truc. The once verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon.
whose hideously superheated contents could bring death swiftly even to those resistant to most heat. En gros, ça brûle, faut pas y aller. Très bien. Et du coup, je peux tomber dedans. Ah, j'ai l'impression que je peux aller dedans. Il était vraiment à la limite. Oh, de la vie max. Oh mon dieu. Oh mon dieu, de la vie max. Merci Glitrin, c'est très gentil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis allé dans... Oh ouais, faut... Oh mais lui aussi, ça le tue. Bon, c'était pas fait exprès, mais... Alors le KB, c'est goldé. Hein. Le KB, ça me protège de ouf. Hein. Il a l'air énervé, lui. Oh non, mais c'est comme les machins. Mais c'était des mini-boss, ça. Pourquoi c'est des mobs normaux, maintenant? Ok. Ok. Comment je vais là-bas, moi? Un dash, peut-être? Ok. Alors, Vimax. Et du coup, comment je traverse? En faisant le tour, probablement. J'avais pas vu qu'on pouvait acheter des trucs. Ouais, ici. Mais j'ai 38, donc je vais pas pouvoir acheter grand-chose. Je pourrais acheter de la vie. Ou je pourrais... Oh, ça, c'est pas mal, ça. Il me manque combien? Il me manque 19 HP. Du coup, 23, c'est pas mal. Ça me met full life. Oh. Ouais, je commence à manquer de damage, oui. Mais ça, c'est 10 et ça se garde. Oh, vas-y, je vais prendre ça. Tant pis pour les damage. Il me manque 3. Si jamais il y a de la thune qui traîne, j'irai le prendre. Ah, ça me fait aller là. Attends, comment je vais en face? Parce qu'il y a un autre truc en face. Est-ce que j'ai envie d'un nouveau pouvoir d'Aphrodite? Ou est-ce que j'ai envie d'augmenter mes dégâts actuels? Augmenter mes dégâts actuels, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est peut-être juste un dash. Hein. Ouais. J'aurais tendance à dire augmenter mes dégâts actuels. On va prendre ça. Ouais, c'était dash. Ouais. Bon, faut que j'arrive à les tuer, par contre. Alors, c'est nouveau. Ça. Ok. Just getting started, huh? M'embête. Déjà? Ok. C'est tout? Alors, your les dégâts en plus sur la spéciale, je pense que c'est le meilleur truc. Même si augmenter le dégât du dash, c'est bien aussi. Ou alors les cibles... Non, autant prendre ça. C'est plus intéressant. Okay, et ça, ça explose. Hein. Ça, c'est quelque chose. Non, juste ça s'éteint. Je peux encore augmenter mes dégâts. Ou de la vie max. Ah. 25 de vie max, c'est quand même beaucoup. Hein. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs. 25 de vie max, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Même si là, le petit up de dégâts me fait rêver aussi. Grid les dégâts. C'est beaucoup, 25 de vie max. Hein. Dégâts, c'est mieux. Allez. Si vous voulez. Onward. Mais je pense quand même que 25 vie max c'était plus pété là. Bloodless. Weak. Cette thune. Ok, ça continue de pop. Encore les relous avec leurs bombes là. Oh non. Ça a piqué un petit peu, mais ça va, on s'en est sorti. Delicious.
Ok, on continue. Allez, augmentation de dégâts. Et on a un marchand, j'ai que 62, mais ça me permettrait de me heal. Ou un pouvoir d'Athéna. J'irais bien chercher un petit heal. En plus, ça a l'air d'être un encounter difficile. Power, là, sans aucun doute. Ouais, mais ça a l'air d'être un encounter difficile. Donc, vous êtes gentil, mais... Ah oui, mais il brille, donc ça va être un gros pouvoir. Ah. Il y a des chances que ce soit la fin de la run, mais on va tester. Away we go. Ok. Do not mess with me right now. Oh non, genre il m'a touché là. Donc là c'est bon, je l'infinise. Ok. Là je vais pouvoir l'infiniser. Non. Oula. Yes. Yes, yes, yes. Alors ça va, on n'a pas pris trop cher en plus, hein. On n'a pas pris trop cher. Trop cher. Hop. In the name of Hades. Et on a du truc bleu. After you take damage, damage near boss foe and briefly deflect. Holy Shield m'a l'air très très bien. Your attack is stronger and can deflect, mais j'utilise pas l'attaque de base. Resist damage from trap, intéressant, mais je pense que Holy Shield est le mieux. Hein, parce que ça nous fait deflect dès qu'on a pris des dégâts. Après, plus 58% sur l'attaque de base, ça pourrait être sympa aussi, mais là je fais tout vraiment à la spéciale. Hein. Là je fais vraiment tout à la spéciale. Donc ça se joue entre les deux, donc je dirais Holy Shield. Merci Mixomatos pour les 51 mois. Et bim, le pastis, merci beaucoup. Holy Shield, ouais, m'a l'air bien. The shield of light. Du défense. Oh, de la vie max. Yes, attends, je vais regarder. Ah non, il n'y a pas autre chose. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah, direct. Oh, j'aime bien ça. Oh, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de... Locked. Locked. Restore 40. On est full. Et merci beaucoup à Moriar qui sera bonne pour la 7ème fois. Coucou Crane, ça fait longtemps depuis ma semaine de garde. J'espère que tu vas bien. Bah, j'espère que ça s'est bien passé ta semaine. Merci beaucoup en tout cas pour les 7 mois. Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Alors, le truc qui brille, on va voir ce que c'est. Hidden will within the limitless inferno of the river Phlegathon. Somehow, a trickle of life-giving water yet remains. As though provided by the fates themselves unto the very lucky prince. Ok, qu'est-ce qu'il y a de caché? Il y a un truc caché. Et du coup, je peux aller dedans, c'est ça? Ah non, c'est bon. Et attends, ça fait quoi si je vais dedans? J'ai un peu peur d'aller dedans. Là, c'est bon, je peux passer à la suite. On a un pouvoir de Poséidon qui brille. On a augmentation. J'aime bien quand même l'augmentation de mes skills actuels. Hein. C'est juste une storyline? D'accord, d'accord. Un pouvoir qui brille, c'est cool, mais augmentation de mon skill. Ouais, avec le Poséidon spécial, ouais. Toujours plus de dégâts, augmentation. Qui brille, droite. Ah, un petit up de dégâts, c'est cool quand même. Pouvoir toujours. Allez, comme ça on va découvrir. Mais bon, ça va piquer. Je sens que ça va piquer. Ok. Not yet. Oh, c'est compliqué.
Qu'est-ce que j'ai pris comme dégâts là? Et c'est le GG, ça va 15. C'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. Ça va. C'était pas... C'était pas fabuleux, mais... Alors, Poséidon. Alors, fais-moi rêver. Ah. Ça remplisse mon niveau 4, mais par un rare. Et moi, j'ai le weak dessus. Mais du coup, mon amélioration du weak, elle va plus servir à rien. Mais plus 131%, c'est un petit peu pété quand même. Hein. Il est déjà level 4, ouais. Moi, je mets le weak. Le weak... Tu gardes le level, ouais. Ça a l'air de faire beaucoup, beaucoup plus mal. Hein. Et ça me fait passer d'un normal à un rare, ce qui n'est pas dégueu. Le reste m'intéresse moins en plus, donc on va tester, allez hop. I'm sure Lady Aphrodite won't mind. Je peux plus le chain pareil par contre. Hein. Donc là on a une clé, est-ce que j'ai autre chose qu'une clé? On va tester. Ouais non, après c'est peut-être pas le meilleur choix, mais on teste aussi, on teste. Je peux moins enchaîner, avant je pouvais beaucoup l'enchaîner, ce qui est quand même pas dégueu, mais on va faire beaucoup plus mal. Ouais, l'augmentation de dégâts est non négligeable. L'augmentation de dégâts a l'air ouf. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à tuer? J'ai l'impression que c'est mieux au niveau des dégâts. Je me sens moins en sécurité, mais c'est pas mal. Come on, then. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok. Oula, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'accord. Là, va falloir tuer ça. Ok. 72 sur 100, on a gagné une clé. Le knockback est un peu relou, ouais. Un peu relou, mais pas... Et là, on va pouvoir encore avoir de la vie max. Je pense qu'on ira chercher la vie max, même si j'ai 135 de thunes, ça commence à être tentant. Ça, par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. Trove trial, earn up to 100. Ok, on va tester. Open up. Transgressions are not tolerated. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le KB me met dedans quand même. Back to the lowest depths with them. That's that. Oh. Good enough. Ah mais du coup maintenant tu me donnes envie d'aller voir le marchand. Ouais. Alors, j'ai 226 quand même. Shop. Shop. Allez, shop. Faudrait quand même que je regarde, parce que je suis sûr que j'ai loupé des machins qui filent de la thune. Hein. Mais je sais pas à quoi ils ressemblent dans cette... dans ce monde-là. Allez, on va au shop. Ah, ceux-là sont différents, donc là doit y avoir de la thune, en fait. No need to thank me, mate. Ah non, pas du tout. C'était juste l'éclairage qui était différent. Là. Non, ça, en fait, ça a le même... Ça a le même logo, 236. Oh, c'est dommage, moi j'aurais bien aimé. C'est quoi ça? Having traversed the flaming river Phlegathon to gain this vantage point, relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable. Ça veut dire que ça va être le boss de la deuxième zone. Ça va être bien. Alors, est-ce qu'on veut un pouvoir d'Aphrodite? Oh, c'est dommage que j'ai pas 250. C'est ma combattième de partie, bah, c'est ma deuxième, mais bon la première j'ai testé l'arc, j'ai pas aimé, du coup c'est ma deuxième.
On peut encore up le... Achète la thune, ouais. Moi, je dirais on prend les deux premiers, je dirais. Je dirais les deux premiers. J'aurais eu assez pour le 1 et le 3. J'aurais pris le 1 et le 3, mais je dirais les deux premiers. Et on augmente, bien évidemment, la spéciale. C'est dommage, j'ai rien qui peut weak, quoi. J'ai un effet amélioré sur le weak, mais je weak pas. Enfin, je crois pas. Oh, peut-être que si, en fait, je weak. Si, l'amélioration est weak quand même ou pas? Oh, je sais pas, faudrait qu'on regarde. Bon, en tout cas, 8% de dégâts en plus, c'est pas énorme, mais c'est toujours bien. Et de toute façon, on n'a rien de mieux à faire. They must have lots of these upon Olympus. Donc j'ai vraiment pas moyen de choper la thune manquante là. Non. Le 14, tant pis. Non, j'ai plus de weak. Oh là là. Bon bah... On a eu de la chance sur le premier. Faut pas exagérer. On va pas faire la surprise deux fois de suite. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Attends, je peux pas bouger. Si, je peux bouger. J'ai pris du dégât là ou pas? Non, je lui en ai pas fait non plus. Ok, donc derrière ça, je suis plutôt safe. Alors est-ce qu'il va les détruire ou pas? Ça fait mal. Mais je lui fais mal aussi. Mais j'ai pris des dégâts pour moi. Où ça me suit? Oh, c'est pas bien quand ça me suit là. Pour l'instant, ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Ah non, un seul, c'était bien. Mince, je suis dans le feu. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Mince. Non, le 7 de dégâts là. Mais non, j'ai déflecte. Mais pourquoi ça déflecte pas? Oh, j'ai perdu un machin. Une mort. Ok. Oh non, il y en a encore. Oh non, deux. Trois. Mais non. Mais comment je... Quatre. Non, je suis trop loin. Pourquoi j'arrive pas à lui faire du dégât? Ok, j'en ai tué un. Ça, c'est bien. Ok, il y a plein d'ennemis de l'autre côté. Je sais pas comment je vais faire. Oh, il est immune. Faut que je tue les autres. D'accord, ok. Comment je fais avec ces... Ok. Y aller doucement. Hein. Le feu là, il m'embête. Hein. Ok, des ennemis.
Non. Non. Fast. Il en reste un. Ok. Il est où l'autre? Il est encore impervious du coup. Il manque un ennemi. Ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Non! Non! Oh, il le fait plusieurs fois! Non! Non! Oh là là! Oh, c'était pas mal pour le premier vrai run, quoi. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Tout content. J'ai 4 clés et 100 à dépenser. Dernière phase du second boss en 2 runs, GG, merci. Allez, qu'est-ce que tu me dis? The Underworld Prince's casual inquiry serves but to frustrate the Infernal Hound, as none of his three heads possess the gift and curse of speech. Ok, il me parle plus. Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun around here, and you seal it shut. Oh, I had little choice about that boy. You see, after you fled the first time, Cerberus... Why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. Il était tout triste, Cerber, qu'on soit parti la première fois, alors il a foutu le boxon. The dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. May you yet come to yours. Ok, alors là, en tout on peut toujours pas te parler. Achille, il est revenu. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. Ah, un cadeau pour moi? What? Wait, you're giving me your codex? I can't accept codex. Something like this. Merci beaucoup, Zach Sliver, pour les 25 mois. Oui, un mois de plus. Bonne sortie des après-midi, Crane. Merci beaucoup, c'est très gentil. Please, I insist. I want your love of history. On sait quoi ce codex? Hold LB to open. Ok. Alors, ok. Learn more by having a conversation with Achilles. Ok. Donc c'est quoi? C'est du lore. C'est, ça donne des cadeaux. En tout cas, il y a plein de trucs à découvrir. Et on débloque des petits trucs en haut. Ok. Sympa, c'est toujours bien. C'est peut-être justement ça qui permettra d'ouvrir la porte à côté de lui, qui sait, je sais pas. 100% du lore? Ok. Du coup, je peux pas trop parler. Hein. Non, je peux pas. Là, non, là, non. Next isn't around. Hop. Ah bah tiens, le boss du... Attends, déjà, on va listen. What are they on about now? Mes pieds me font mal, mais j'ai même plus de pieds. Cause de la mort, le vieil âge. The prodigal son returns. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Don't worry, Meg. I eventually managed to get home the painful way after all. Look, I have a reputation to uphold. You get past me again like that, you best go all the way. Now leave me be and don't think you're gonna be so lucky next we meet out there. Updated. Ah bah, à chaque fois, ça update le... D'accord. Le codex, ça doit être pour ça. Donc là, logiquement, si je rappuie, je vais voir une entrée pour elle. Ah, il faut que je maintienne, ok. Et en effet, Magaera. Ok. Ok, ok. Et donc, c'est un signe qu'il faut que je lui fasse un cadeau en haut. C'est quoi l'histoire? Je sais pas du tout. Là, on va pouvoir se faire plaisir, acheter plein de choses. Alors. Malheureusement, on va pas prendre tout ça. Ah, c'est sympa ça quand même.
de l'avoir de base. Qu'est-ce qu'on a? Alors... Est-ce que le 10% de dégâts, ça fonctionne sur mon spécial? À mon avis, on va bourrer Shadow Présence. Hein. Peut-être un petit peu plus de Tonic Vitality, mais c'est cher. Et Greater Reflex, c'est quoi? Augmenter le dash peut être sympa aussi. Oui, on va débloquer une arme, c'est pour ça que je ne veux pas utiliser ici, même si ça, c'est intéressant. Un dash en plus, le double dash. On peut tester, on va faire ça, allez hop. Et pour le reste, on va... Shadow Présence. Ouais, c'est du backstab, mais il y a plein de moments où, en fait, t'es derrière l'ennemi, quoi. Après, on peut prendre un rang là, ça fait 50, si vous voulez. Tu backstab trop rarement pour que ce soit bien créé le shadow. Oh, il y a plein de moments où, quand on est tout autour des ennemis, on se retrouve derrière quand on fait un spécial, non? Je sais pas. Vas-y, on va prendre ça, je l'utilise jamais. Allez, hop, voilà, j'ai tout dépensé. Bim! Je fais pas d'économie, moi. Je fais zéro économie. Hop. Et du coup, on va pouvoir acheter un nouveau truc. La lance ou le bouclier. Bah, vu qu'on a 4, on peut commencer par la lance. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Let's try it. Varatha. Eternal Spear, join my pursuit. Okay. Alors, hold. Alors, quand je le maintiens. Ok. Parce que là, on clignote, donc ça veut dire que c'est bon, max. Ok, d'accord. C'est pas mal. Oh, le spécial, c'est un lancer, ça revient. Donc ça veut dire que t'as pas d'arme pendant ce temps-là. Ah, et tu dois rappuyer pour que... D'accord. Donc ça, le dash. Ça me permet de faire un double dash comme ça. Ok, d'accord. Ce qui est plutôt sympa en vrai. Donc ça, c'est lancer le machin. On les récupère. Oh, c'est quoi ça? The courtyard of the House of Hades is kept neat and orderly, in contrast to the terrifying sprawl that lies beyond. Hop. Bon bah c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Bon là je pense que j'ai rien débloqué de plus. Bon bah voilà, encore une arme à débloquer derrière. Alors là on voit qu'il y a deux trucs où il n'y a rien. Est-ce que c'est quelque chose, bon me répondez pas forcément parce que ça spoil, mais est-ce que c'est des trucs à débloquer en jeu? Est-ce que ça viendra plus tard? Ils les ont pas encore développés vu que c'est une early access, je sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez du jeu, les gens qui découvrent avec moi là sur le chat? La maniabilité est extrêmement agréable. Les mécanismes sont simples et c'est vraiment très cool. Ça fait penser à Transformice, le fameux « tu fais une run et t'augmentes tes skills à chaque fois », ce que je trouve un système vraiment ingénieux. Le jeu n'a pas l'air frustrant, ça... Non, intéressant, intéressant. Il y a pas mal de petits trucs à farmer. Ouais, vraiment sympa, vraiment sympa. Bon, bah, je vous propose de continuer à faire des petits runs de notre côté sur le live. Je vais couper la VOD là parce que ça fait déjà un bon bout de découverte pour les gens qui regarderont en rediffusé. Puis nous, on fera des petits tests à droite, à gauche, encore pendant un petit moment. On vous fait des bisous à tous les gens qui sont sur YouTube, vous qui êtes dans le futur. J'espère que vous avez apprécié aussi cette découverte. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.